gasten. Hier is iemand nieuw in onze groep. Mag je even aan jullie voorstellen? Dit is Liam. Wil je even goeiedag zeggen? Kom iemand voorstellen. En hoe lang zit hij al? Een tijdje. J'ai lu le livre, j'étais très choqué sur le content du livre. Et ce qui m'a frappé à la fin du livre et à le naword, le mot d'écrivain d'après. Et là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais lu, c'était en fait plus ou moins vrai. Je trouvais ça très bizarre que je ne connaissais pas ce monde en fait. Que personne n'en parle de ces jeunes, les jeunes psychopathes qui sont maltraités toute leur vie, ce qui passe avec. Tu vois de temps en temps dans un journal un jeune tue ses parents, mais tu ne sais jamais le contexte ou d'où ça vient. Et après, j'ai demandé à Geert d'aller dans de différents instituts de jeunesse pour parler avec des jeunes et aussi les instituteurs ou les gens qui travaillent là. Là, je me suis rendu compte, en fait, en écoutant ces jeunes, que c'était beaucoup plus pire. La réalité. Après les discussions que j'ai eues ou l'écoute que j'ai fait avec ces jeunes et avec les gens qui travaillent là, je me suis rendu compte que c'était un film nécessaire, nécessité, un film bombe, quoi, et que je devais le faire. En fait, le film m'a ouvert les yeux. Comme je ne me rendais pas trop compte de ce qui se passait dans le monde des instituts des jeunes et les éducateurs et les jeunes même, j'y connaissais rien. Alors ça m'a ouvert les yeux vraiment pour la nécessité de les aider, d'en parler avec eux, d'aider les parents aussi. Hein, parce que je trouve que les parents aussi ont besoin de psychologues pour leur aider, parce qu'ils viennent quand même aussi d'un cercle violent, qui vient d'une vie violente. Que aussi les jeunes, quand tu vois maintenant qu'il y a des listes d'attente de 4 ans pour ces jeunes, j'ai appris que ça existe vraiment, quoi. Et que ce n'est pas un monde fictif ou quoi que ce soit, mais une vraie réalité pour beaucoup de gens, malheureusement. C'est un travail très dur, c'est un travail hyper violent et c'est très mal payé. Alors c'est des gens qui font leur travail en plein cœur, avec toute une volonté énorme, mais en même temps, une volonté sans avoir des shoulder claps de quelqu'un, ni de le gouvernement, ni des gens de rue, ni de la société. Alors, ouais, c'est des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect, en fait, après avoir parlé. On se dit que c'est fucking messed up, as you said. Ces gens comme ça existent, hein, malheureusement. Mais aussi, j'aimais bien l'idée que c'est quelque part drôle et pas du tout drôle. Que de temps en temps, c'est si con que ça va être drôle, mais en fait, c'est pas drôle du tout. C'était un peu aussi le but du moment. Et comme les deux personnages, deux gens très, très gentils, ils ont étudié l'étude sociale. Ça veut dire qu'ils connaissent le monde, des gens asociaux, des gens de problèmes. Ils comprennent ce monde. Et toutes ces raisons font ce qu'ils font, ce qu'ils ont. En plus, ces deux musiciens, le Colin et le chanteur de Amin Ra, et Sarah, c'était la chanteuse de Kenji Minogue. C'est un groupe culte techno, alors c'est des performers. Alors ils sont très vite, ils comprennent qu'un performance est aussi physique. En fait, je voulais faire un documentaire, la maison. Des parents, c'est Hell, c'est le diable, c'est Goya, c'est rouge. Du sang, c'est foncé, c'est Nosferatu quand il monte l'escalier, tu vois, tout une métaphysique glauque. Et l'institut, c'est tout assez clair, c'est dans le gris, mais quand même clair, des couleurs soft.
et les camarades et par des jeux, par des jeunes, quoi. C'est comme il serait une sorte de personnage, mais sans qu'il ait un commentaire sur lui. Il observe, il vit ce que les jeunes y vivent, en fait. C'est un munstuk, hein. Une sorte de dag, une sorte de nacht. Vind ik dat jij een goede gast hebt, Liam? Ze zijn zo wel de kruis.